Allô, salut. Nous saluons notre précieux sauveur, nom Jésus-Christ. Nous sommes contents pour capable rejoindre ensemble avec nous dans la série d'études que nous avons commencé mois de cela. Pour nous étudier ensemble le livre des Actes des Apôtres. Et nous sommes tous bienvenus. Et nous sommes contents d'être choisis. Ça pour capable agrandir connaissance et foi ensemble avec nous. Pour ça, nous faisons encore au nom de l'Église évangélique du Nazaréen, nous souhaitons la bienvenue. Nous prions que le Seigneur a béni nous richement, pour même famille et toutes les amis. En coupe de fond, nous ensemble pour nous capables d'implorer notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous avons demandé, quel que soit côté et ce que soit conduit, pour capable couper le fond ensemble avec nous dans la prière. Seigneur mon Dieu, nous rendons gloire à vous pour le privilège ou bon nous sommes capables de servir dans ce moment. Merci Seigneur d'être ce que nous moyens, par moyen Seigneur. Nous sommes capables de présenter parole à tout peuple qui a écouté nous à travers des moments difficiles. Et béni peuple tout à travers le monde qui fait face à des moments qui ont situation qui dépasse les capacités pour les grands rois et les grands chefs d'État de la terre. Seigneur, famille, Seigneur, qui troublé, qui présent, capable encore une fois de faire sentir pour son bon Dieu fidèle, son bon Dieu qui connaît, crie, car les oreilles attentives à cri nous. Et béni dans le moment ça, quel que soit le monde, spécialement si par les gars qui pas reconnaître comme sauveur personnel. À travers tout ça, éclairer l'esprit, qui est capable de prendre décision pour servir. Et ça, qui est déjà engagé, Seigneur, aider au Seigneur dans le moment ça, capable plus reconnaissant de tout bien fait pour faire dans la vie, et afin que le Seigneur capable d'établir une relation qui est plus droite et toi ensemble avec nous. Béni, frère Samuel, qui est là, et béni, Père, pour encore une fois. Et permettre que Saint-Esprit soit capable de nous tous clarté de langage et aussi d'esprit, afin que Seigneur tout ça nous va dire réellement saturé par présence de la puissance Saint-Esprit. Éliminez-nous avec grâce, avec Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. All right. Donc à part point, on a opéré plusieurs devices. So, on dit bon Dieu merci que mettez à la disposition nous. Et on va prendre un moment ça, on est capable de retourner dans la série d'études que nous avons commencé la semaine dernière. C'était très important. Côté, on a un privilège de capable de tracer un peu après le premier voyage. Premier voyage missionnaire de Paul après retour, comment il était en joie, il était retourné dans le pays Antioche, dans la ville d'Antioche, de Syrie, côté pour être capable de faire un rapport, comment bon Dieu fait gros bagaille dans la vie. Mais non très loin dans le livre, je crois qu'il était très bon pour nous poser quelques questions. Et certainement, dans la vie que ou même qui cap suivre nous quelques temps de cela ou t'es capable penser avec question ça yo et sous connait yo ou capable marquer yo et si c'est pas moyen YouTube ou écouter nous ou capable répondre yo allez côté du bon accès pour faire commentaire ou capable répondre question yo. Ou bien si c'est dans Facebook tout, même opportunité.
Et nous croyons, nous parlons en pile depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 15. Et il y a quelques questions, quelques sujets qui ont été abordés. Et c'est très bon, nous sommes capables de penser ensemble avec eux. Surtout dans le chapitre 6 du livre Actes des Apôtres. Nous avons un grand murmure qui était soulevé. Il y a un désaccord, il y a un problème qui était levé dans le chapitre ça et qui va créer une institution qui est très importante. On passe ensemble à la question ça. Quel était le murmure des Hellénistes? Pour qui ça? Qui cause Hellénistes de murmurer? C'est la première question. Et vous avez une réponse là dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Non, simplement, pas de réponse là. Deuxième question, songez bien, première question là, c'est qui ça qui t'a causé murmure Hellénistes? Deuxième question, toujours dans le même chapitre là, qu'a vu Étienne quand il a fixé les regards au ciel? Songez bien, Étienne, les étapes maltraitées, et sous vos réponses, on n'a pas joigné. Vous capable toujours dans ivcnaz.org, vous capable aller accès à Facebook ou YouTube. Et la barre au moyen ou capable dans partie commentaire ou capable poser répondre à question. Deuxième question là, c'est qui ça Étienne te ouais l'elle te fixe regarder vers le ciel. Mais surtout dans moment il tapé lapide. Ça c'est deuxième question. Première question là, songez bien. C'est qui ça qui te cause mimi ou bien pep Hellénistes ou bien juif Hellénistes t'a mimiré? Qui ça te cause ça? Et deuxième question là, c'est qui ça Étienne te ouais les il te fixe regardé vers le ciel les yo tapé lapide? Est-ce que vous comment comment do you see them start answer the question yet? Go to Facebook or YouTube, especially to see. Nous avons opérateur nous là, les cap regarder qui est-ce qui répond à la question. Troisième question. Les persécutions ont été levées après qu'ils ont tué Étienne. Persécutions ont été levées. Vous allez voir ça dans le chapitre 8. Pour le chapitre 9, non, va poser question ça. Qui est ce monde qui t'est servi comme chef persécuteur pour être capable de détruire ou de christianiser ou bien de raciner? L'évangile là. Qui est-ce qui t'est servi comme avec toute zèle pour être capable de battre mon lapide moun? Elle était en route pour être capable de détruire nouveau chemin là ou bien nouvelle croyance là qui est l'évangile quoi en Jésus-Christ. Et
Et l'autre question qui est très importante, on va joindre dans le chapitre 10. Qui est-ce? Sous qui est ce chapitre là? Qui est ce monde qui te fait révélation pour te voir chercher Pierre qui te a Jopé? Et en dernier lieu, dans le même chapitre là, chapitre 10, et qui révélation bien rêve Pierre te fait pendant que tu es à Jopé concernant personnage ça qui te fait révélation ça. Qui est ce personnage là t'es et qui te fait rêve pour te rechercher Pierre et qui révélation tout bon Dieu te bail Pierre concernant personnage ça. Et chapitre 13, excusez-moi, dans chapitre 11, all right, merci, nous avons gagné Bessie Davis et Alexandre Nicolas et Jean Clairvoix, all right. Bessie Davis, deuxième question, il était où Jésus chita à droite, papa li. C'est très bien, Bessie. Et Alexandra Nicolas répond, il va dire qui est cette question, mais quoi répondre, c'est Saul de Tarse. C'est bien ça, sans doute, vous répondez jusqu'à côté Paul Barry. Et Jean Clairvoix répond aussi Paul. Ok, c'est bien ça. On a battu un gros bravo, mais toujours une question, toujours dans l'air. Merci, merci. Ça fait moi non seulement non branché, mais aussi non rété. Non apprendre. Maintenant, on est capable toujours de penser avec question chapitre 11 là. Et nous sommes au chapitre 11, dans chapitre 13, nous disons prière qui change le monde. Et qui, dans la prière, ça, Saint-Esprit a dit mettez des personnages, des personnes très importantes pour l'œuvre missionnaire. Et que ou bien l'œuvre que nous relayons. Et la dernière, nous allons faire appel à eux pour l'œuvre missionnaire, surtout dans chapitre 13. Qui des personnages ça qu'il était parlé. Qui des personnages cet esprit a te dit mettez à part pour moi-même. Encore une fois, nous contents de ce que vous toujours été branché. Nous réellement apprécié ça, mais m'a très content encore si nous sommes capable continuer répondre à question yo. Surtout nous gagnons. On fait sûr que nous checkons Facebook. Ok, nous gagnons. Ok, nous gagnons. Nous gagnons Bessie Davis. All right, qui répond à une question sans doute dans le chapitre 10, côté dit c'est Cornelius ou bien Corneille. Qui te voyait chercher Pierre. Merci, frère Bessie, encore une fois. Encore devant vous, là. Vous répondez à deux questions déjà. Et que nous gagnons. Qui est-ce qui révélation Pierre te fait concernant Corneille? Vous n'êtes pas capable de nous. Concernant le personnage, ça nous a mentionné. Qui révélation Pierre te fait? Parce que li patap ka entre la kali, li patap rale, mais qui révélation bon Dieu te bali pour te capable faire voyage là, pour te capable aller ensemble avec lui. Ok, Alexandra, Nicolas, ok, li répond avec une question tout, fait des Bessie Alexandra mené. Alexandra répond,
Quoi vous voulez dire Barnabas et Saul. Ok, Barnabas et Saul. Bien qu'on dit Ban. Anyway, vous comprenez, vous répondez Barnabas et Saul. C'est bien ça. C'est très bien. Donc, je ferai bestier avec deux questions répondre. Et c'est Alexandra Nicolas avec deux questions, deux réponses aussi. Et donc, frère Clairvoir, frère Jean Clairvoir, qui fait Bob, je crois, répondion. Very good. Donc, il y a quatre autres questions encore dans la table pour nous avant d'entrer dans. Leçon aujourd'hui. Hein? Nous voulons dire dans le chapitre 12, tu as un roi sous le nom Hérode. Hérode, c'est plus son titre, mais nous avons dit qui roi était. Roi ça, il était fait décapiter un apôtre, tandis qu'il était préparé pour lui. Et tuer yon lot. Ou capable di, bam dou nou wa ou kabli li. Wa Agrippa 1, c'est li te renye de l'or. Mais li te fin fait tuer yon nan apôtre qui était très important. Et li te pense aussi pour te tuer yon lot que zange bon Dieu te vin délivré nan prison. Qui est-ce qui te tue? Il était déjà fait couper tête et qui l'autre il t'attend pour te tuer après fête Pâques là. OK? Toujours dans Actes des Apôtres chapitre 7. Ou check Facebook? Non, nobody. OK. That's fine. All right. Nous encourageons à checker YouTube capable de jouer ensemble avec nous. Merci encore une fois. Et certainement, qui est dans Actes des Apôtres chapitre 12? Qui est apôtre que roi Hérode Agrippa a été décapité? C'est-à-dire de couper tête lui. Et qui est l'autre mon encore, qui est l'autre apôtre encore qui a été fait plan pour tuer jusqu'à ce que les anges bon Dieu te venu délivrer dans la prison. Et nous avons écouté de très loin de près, sauf à nous avons semblé ça difficile. Mais il n'est pas difficile, non? Donc on a écrit toujours, ok? Il y a une autre question encore, pendant la pensée. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13 et chapitre 14, il parlait des premiers voyages missionnaires de Paul. Et avec et Alexandre a déjà répondu à une question concernant Paul et Barnabas. Mais nous avons demandé qui est-ce qui t'est composé, combien t'est composé premier voyage missionnaire. Combien de monde qui t'est fait premier, qui t'est allé dans le premier voyage missionnaire. Moi, je crois que nous avons Magdalena Douye qui dit que c'est apôtre Pierre. Et apôtre Pierre, et certainement c'est Yon. Et Alexandre Nicolas répond, c'était yes. Alexandre Nicolas dit c'est Jacques, yes. Près des gens, fut décapité et il voulait tuer Pierre. C'est bien Alexandre. Et Marguerite Douille aussi dit apôtre Pierre. Ok, on répond aux parties de la question. Sauf à Alexandra Nicolas, en première partie, en première position, qui répond à trois questions. Frère Besti en deuxième, frère avec Yon aussi. All right, très très bien. Non.
en poser, en répondre avec notre question, c'est qui est-ce qui t'a composé un premier voyage missionnaire de mon premier voyage missionnaire là? Combien de monde qui t'a fait partie du premier voyage là? Ok? Nous parlons en pile de lui. Elle est très important pour nous capables de gagner en tête. Ça est capable d'aider non bien. Nous sommes capables de dire qui est-ce qui t'a composé le premier voyage missionnaire. Ok. Semble nous avoir des difficultés avec lui. Et pendant la pensée avec lui, et nous sommes capables de poser deuxième question là, on a pas avancé à la question. C'est qui côté yo te débarqué, c'est-à-dire dans qui côté yo te sorti pour yo te aller. Bon, moi n'est plus facile. Yo te dans pays Antioche, excusez-moi, dans ville Antioche de Syrie. Yo te allé dans une ville yo les celui-ci. Et à celui-ci qui côté yo te c'est celui-ci yo te prend bâtiment. Qui côté yo te allé pour yo te débarquer dans qui côté yo te allé? Là yo te prend. Bâtiment dans celui-ci qui côté yo te allé pour yo te débarquer? Songez bien, donc il y a deux questions dans l'air. C'est premier voyage là, qui est-ce qui t'a composé premier voyage là? Mon frère Bessly, déjà ici, il dit, il y a un. Oh, il répond à une question qui te dit, il y a un nap. Bon, moi, si je ne peux pas répondre ça déjà. Je ne peux pas répondre ça avec vous. Ou à toi, tout. Il y a un nap qui te devant, sorti dans le ciel là. Et puis, de répondre à la question qui révélation bon Dieu te baille Pierre. Very good. Frère Bessly aussi à trois questions. C'est Alexandra Nicolas avec trois questions. Very good. Bon, bravo. Et nous avons reste des mots ensemble avec une question. Mais il y a quelques questions qui sont toujours dans l'air. Et qui est-ce qui t'a composé pour le voyage missionnaire de Paul, pour le voyage missionnaire là? Et qui est-ce qui côté yo te pour un bâtiment que m'dou yo te pour un bâtiment dans ville ou bien dans port de celui-ci et dans qui côté yo t'allé pour te débarquer? OK. Puisque n'a écrit toujours, c'est très intéressant. Puisque n'a écrit non. Et nous voulons faire si gagner une surprise ou un cadeau, gagner quelques livres qui va bailler ensemble avec un gagnant. Certainement, on va l'autre semaine, si Dieu veut, après nous répondre, si la crive est à 10, nous allons faire plus facile, 5 à 10 questions à réponse. Ou bien un cadeau. Si tu réponds à 10 questions, ou bien un livret. Et d'autres, ou bien l'autre. Et livre. Si anglais ou parlé, ou bien en anglais. Si c'est français, ou bien en français. Ok. Alors, il est très important. Livret biblique. Tu as aidé nous dans la foi chrétienne. Non, par contre, je réponds avec composant. Premier voyage missionnaire. Qui est-ce qui t'a composé? Et des. Deuxième question, ou bien l'autre question qui est dans l'air toujours. Je te débarqué dans l'île, excusez-moi, je te embarqué dans le port de celui-ci. Qui côté je te débarqué? Là, et toujours dans le premier voyage missionnaire, là,
dans qui ville il était joindre jeune homme ça qui était proconsul. Il était relé Sergius Paulus. On va dans toute description pour devenir bien facile, c'est professeur facile mieux. Et que il était rencontré avec Sergius Paulus qui était proconsul dans une ville. Ou ka songe ville là et même sous pas songe ville là that's okay, mais ou ka fè m konnen il était gen un magicien qui t'a servi avec lui pendant que Sergius Paulus te étendait prédication des apôtres là qui t'a prêché et laisse ça magicien non t'es voulu empêcher pour pas écouter prédication apôtre là. Comment était les magiciens ça? Comment était les magiciens ça? Sans doute bien very good, c'est Alexandra Nicolas. Toujours écrit par bon fessico toujours écrit bien Barnabas peut-être capable pour errer des frères. Ba au crédit pour lui Barnabas. Saul. Il y a encore un autre monde qui t'a accompagné. C'est dans le premier voyage. Il y a un autre monde. Et certainement des Célestides à Chypre pour répondre à une question très bien. Zilea, répondez à une partie très claire là-dedans. C'est Alexandra. C'est Chypre. L'île de Chypre. C'est bien. Répondez à l'île de Chypre. Mais il manque un monde dans toi. Non, c'était toi. Ou bien deux dans toi. Yeah, souvent, toi, tu es capable de penser que c'est Paul et Barnabas, ou bien Saul et Barnabas. Mais tu as un homme qui t'a accompagné. Tu es pour un autre accompagné. Mais so far, very good. So far, au devant, on presque fini avec question ça. C'est très, très magnifique. Non, gagner un. Pendant qu'il a pensé avec lui, sous tape écrit tout, même sous tape tout composant, tout, il est très important qu'on soit capable de répondre. Mais songez bien notre question qui est dans l'air. Et pendant ce juge Paulus, tu voulais t'attendre la parole de Dieu et tu es intéressé pour être capable d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. De grands magiciens qui étaient sous service li. Et magicien ça t'a battu pour détourner pour consul là un chef ça dans ville ça et que toujours dans ville de Chypre mais dans toujours dans l'île de Chypre mais dans ville dans l'île de Chypre c'est un côté capable de Lagonave bien plusieurs l'autre ville ou bien qui dans Zilea ou bien l'Atlantique plusieurs l'autre zone qui dans Zilea. Zilea c'est l'île de Chypre ou bien l'île de Chypre et la dernière il y a plusieurs villes la dernière et non il y a une ville ça yo non joindre ok very good non il y a encore c'est Alexandra Nicolas répondez c'était Elimas very good c'est Alexandra qui tape un pensée pour détourner la foire et frère Bessie aussi répond Barnabas et Saul. Non, Barnabas c'est Saul, mais Guillaume l'autre encore, c'est lui que Alexandre a répondu aussi. Guillaume l'autre qui t'a accompagné. Jean, very good, Jean t'a accompagné. Jean-Marc, very good. So far, si m'a compté, toujours Alexandre a gagné le devant. Bessly en deuxième position. Alexandre, Nicolas devant, Bessly en deuxième position. Et non, c'est Elimas qui était magicien, qui t'a essayé de détourner la foi du proconsul Sergius Paulus, qui a délivré lorsqu'il était sorti de Salami pour aller dans la ville de Paphos. Et là, il t'a prêché et Sergius Paulus était intéressé. Non, toujours dans le premier voyage missionnaire là, nous allons joindre. Oh, very good, tout, frère, Bessly, répondez, tout.
Nous pouvons dire Bar Jesus. Elimas, si on dit Elimas ou dit Bar Jesus, c'est même dans virgule. Et nous pouvons répondre aussi. Non, dit que peut-être une réponse sur 40 versets de l'autre, c'est très bien. Non, on va poser quelques autres questions toujours dans le premier voyage missionnaire. Non, dit que dans le premier voyage missionnaire, il est embarqué dans la ville de Séleucide, il est débarqué dans la ville de ou bien dans Salamine, dans l'île de Chypre. Et là, il prend route à pied pour traverser pour la Paphos. À Paphos, il est embarqué encore après Sergius Paulusien accepté Jésus-Christ. Il est embarqué. Il est embarqué dans l'île de Chypre, pour lui dans la ville de Paphos ou bien dans le port de Paphos. Qui côté il était débarqué et comment était la zone ça? All right? Dans qui ville ou bien dans qui port il était débarqué? Toujours dans le premier voyage missionnaire de Paul. OK? Qui côté il débarqué? Après il quittait Paphos. OK? Yes, Bessie aussi écrit Jean pour aider. All right. Non dit à Paphos, il est embarqué et qui côté il est débarqué. Et toujours pour capable continuer, l'elfin débarqué dans la zone ça, l'elfin quitté Zilea. Soyez bien, l'elfin quitté Paphos dans le premier voyage là. Li embarqué à Paphos, qui côté li débarqué. L'étape très bon pour nous capables essayer de tracer dans l'esprit non. Ou bien je dis à gen 4 géographie. Surtout si n'a pas étudié ensemble avec nous. Gen 4 géographie que nous capables joindre. L'étape très bon pour tout chrétien qui est intéressé à livre avec des apôtres qui est capable familier ensemble avec voyage missionnaire Paul. Il était capable de nous une appréciation pour l'évangile que moi-même ensemble avec vous gagner nous accepter pour nous voir tout comment non seulement Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ souffrit pour travailler la fête pour moi-même ensemble avec vous capable recevoir l'évangile, mais aussi comment monde qui vient après yo, les disciples, les apôtres, comment yo te engagé yo pour yo capable propager l'évangile là, comment yo souffri. C'est parti route. Jodi a ou comment li difficile pour un monde si machine ni tan en panne. Li pou ta relon moun passer prendre. Li trouver ça c'est big deal. Li trouver ça li difficile ou bien tout capable pour même moun ça tout pour ta passer pour un monde pour te capable ville l'église, les trouver ça c'est et trouver toutes sortes de possibilités. Mais pensez ensemble. Comment un homme, comment un groupe monde concerné pour y déplacer pour y aller tout marcher, c'est pas machine, c'est pas en voiture, c'est pas en avion, mais en pile fois marcher à des kilomètres, des centaines de kilomètres à pied ou bien prendre des bâtiments ou bien ou capable dire bateau pas bateau à moteur, bateau à voile ou bien méthode qui était servi qui était besoin aide vent qui était capable prendre des mois sous la mer après des mauvaises tempêtes, comment avec seul désir pour yon capable aller propager l'évangile. Moi quoi gagné qui répondait, c'est ça. Tous les démons qui devant répondio et frère Jean, frère Besti également répond de Pège, Pega, OK, that's OK. En français c'est Pège. En anglais c'est Pega, en Pega, en Pifili, une Pifilia. OK. Alexandre répond tout, Pège en Pifili.
Merci d'être corrigé. Nous avons dit Père, c'est Alexandra. Père, en pifilé. Very good. En nous battant un gros bravo. Très bien. Et ça a réellement encouragé. Ça a réellement encouragé. Ça fait me connaître non, je ne peux simplement parler dans l'air. Je ne peux simplement penser non pas écouter, non seulement écouter, mais non très attentif. Non, des pèges qui côté il était allé après qui te pèges, qui côté il était pris en route à pied pour te atteindre toujours dans voyage missionnaire ça. Et dans voyage missionnaire ça, tu dans premier voyage là, l'elle t'est arrivé dans lieu ça. Après qu'il t'est pêche, qui côté elle t'est allé. Et l'elle t'est arrivé là qui Jean y t'est recevoir dans synagogue là. Non pas besoin de répondre ça ma parler, mais qui côté elle t'est allé. Qui côté elle t'est allé, elle t'est arrivé là. Elle t'est quitté pêche, qui côté elle t'est allé. Et en, pendant qu'il a pensé, songez bien, frère Jean Clairvoir, qui a continué à répondre, et vous êtes bien dérapé, continuez. Non, réellement apprécié ça. Donc, frère Bessliff, c'est Alexandra, toujours en ligne, en première ligne. Nous avons deux autres encore qui en troisième position. Nous avons dans le premier voyage à toujours, les quitter pêche qui côté les aller. Et les arriver là, les jeunes en pile, premièrement, premier jour sabbat, ils ont recevoir bien. Et après ça, deuxième jour, ils ont levé compte. Et il était manqué, il était lapidé, il était presque pour lapider parce que il y a jalousie. Quand tout le monde a commencé à recevoir avec cœur ouvert et recevoir l'évangile et était accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et certainement, nous voyons que leader synagogue dans la ville ça était fait lever contre et de là, il était déplacé. Nous avons dit nous qu'il a quitté pêche en Pamphylie qui côté. Peut-être qu'il est très difficile. Si c'est difficile, nous sommes capables de comprendre. So far, you have done an excellent job. C'est Alexandra. 1, 2, 3, 4, 5. Question. Ok, 6. Frère Bessly, moi, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est Alexandre à 6 questions parce qu'il me répond ça à arriver à Antioche de Pisidi. Bravo, c'est Alexandre. Parce que non seulement on dit Antioche, mais on dit Antioche de Pisidi. Parce que son je viens de sortir de Antioche de Syrie et maintenant. Yo à Antioche depuis si dion l'autre ville d'Antioche certainement et de là de Antioche les levé contre qui côté y aller et dis nous qui côté y aller à de Antioche depuis si dit qui côté y aller et là nous capable dire you have done an excellent job en pour un petit temps pour chapitre pour deuxième voyage missionnaire là pendant que il a pensé avec lui et parce qu'il prend temps pour capable écrire dans deuxième voyage missionnaire il est réellement intéressant nous pas capable entrer là parce qu'il est très important pour nous capable poser quelques questions encore dans premier voyage là après il fin fait premier voyage là sorti d'Antioche depuis Sidi il est allé dans une ville qui est et là il a rencontré en pile opposition. Yo rentre dans l'autre ville et après yo sorti dans l'autre ville ça encore yo retraversé pour retourner pour ka prendre même route ça a été prendre pour prendre route pour y aller dans pêche
puis Philippe pour prendre bâtiment ou bien bateau pour y aller directement dans le pays, dans Antioche de Syrie, côté où ils embarqué pour la première fois. Là. Nous pouvons joindre les arrivés à Antioche en pile bel rapport bail. Mais question d'aller pour nous faire attention avec lui. Après tout bel rapport, ça y est. Nous avons envie de nous dire qui Jean, qui était par rapport comment païen, gentil, te recevoir l'évangile avec cœur content. Comment Saint-Esprit a te fait gros travail dans le temps. Transformation de cœur. Et comment te, et tout le monde qui était là t'écoutait avec cœur content. Mais qui ça te vient arriver pour te déclencher avec un gros problème dans le temps jusqu'au point où il était nécessaire pour te rendre jusqu'à Jérusalem pour te demander concours à apôtre Pierre et Jacques dans le moment ça juste dans Jérusalem. Qui problème qui était venu joindre après était venu bail rapport comment païen yo t'a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel yo comment yo t'a servi bon Dieu avec cœur content et qui problème qui t'est venu soulever dans mi-temps yo jusqu'à ce que Paul à Barnabas te senti nécessité pour te rendre yo juste à Jérusalem demander concours des apôtres de Jérusalem pour qu'à retrancher ça qui va déboucher sous ça les première conférence concernant qui va retrancher un sujet que moun sa yo te vin lever dans mitan yo dans pays dans ville Antioche de Syrie. Son question qui est assez intéressante, mais espérer non penser avec une connaissance qui est difficile, mais pendant la pensée et c'est lui qui te fait actualité semaine dernière, c'est lui c'est la donne et tu l'as te fait toute soirée ou bien toute heure de temps, c'est sous l'île de senti accentué. Maintenant, nous entrons dans le deuxième voyage missionnaire de Paul. Dans le premier voyage missionnaire, là, nous avons appris un composant, c'était Saul, Barnabas et Jean-Marc. Je te prends Jean-Marc ensemble avec eux. Raison de pas attendre Jean-Marc, lorsque Jean-Marc est arrivé à Perge, Jean-Marc senti voyage là était très difficile. Et nous apprenons Jean-Marc laisser messieurs à Perge, à lui retourner à Antioche. Ça montrait voyage missionnaire là était trop compliqué et très difficile pour Jean-Marc. Et Jean-Marc est retourné. Et maintenant, nous voilà prendre dans chapitre très important, dans chapitre 15 là que nous avons presque fini et c'était verset 35 à 40. Non pas de colis et dans chapitre deuxième voyage missionnaire là pour avoir une opportunité pour nous capables ouais ensemble comment deuxième voyage là prend place. C'est après yo retourné dans le pays Jérusalem après que yo était retranché sous question nous se poser ça qui t'a écrasé mouvement l'évangile là ça qui t'a abandon l'autre l'évangile que ça nous gagne aujourd'hui s'il pas retranché à savoir l'évangile que nous gagne c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de nous ou bien de vous c'est le don de Dieu. Et je dis à l'été capable de gagner l'autre
additionnel. Parce que ça juif yo qui t'est venu dans le pays, dans la ville d'Antioche, pour déclarer, il dit, si pas yon ou pas fait ça, yon pas capable de sauver. Nous-mêmes, ça t'a pas adressé à nous-mêmes, parce que nous pas juifs, nous c'est pas yon, nous c'est égoï, nous c'est gentil. Certainement, le mot païen a des connotations aujourd'hui, c'est moun qui pas converti, et c'est ça. Mais le mot païen, dans le contexte biblique et le contexte historique, c'est un coup monde qui n'est pas judaïsme, monde qui n'est pas de la foi, qui n'est pas, en d'autres termes, tout ça qui n'est pas juif, t'es goy, t'es gentil, ou bien d'autres nations, d'autres peuples, et nous aussi, d'autres peuples. Et dans le sens, dans le contexte, nous avons besoin, en plus des fois, nous en Jésus-Christ, nous avons besoin de l'autre tradition juive pour nous être capables de nous sauver. Et qui est totalement contraire à ce que Jésus-Christ t'a enseigné, qui est totalement contraire à ce que la parole de Dieu enseignée aussi, Paul et tout apôtre enseigné. Et nous allons joindre dans chapitre, nous joindre Pierre et Jacques, cette fois-ci pas Jacques décapité, Jacques, frère de Jésus. Nous allons joindre qui est devenu un dans serviteur Adam après la mort de Jésus. Nous allons joindre. Je te vois une lettre pour adresser avec jeune église ça, qui était à Antioche pour te dire qu'il n'y a pas besoin de prendre l'autre bagaille, excepté encourager pour éviter de manger viande sacrifiée aux idoles, mais il n'y a pas besoin de prendre l'autre obligation qui simplement qui pas attribuée, qui simplement attribuée aux juifs. Qui pas nécessairement attribué aux païens. Dans le deuxième voyage missionnaire, là, dans le chapitre 15, verset 35 à 40, peut-être nous n'avons pas qu'une chance de tracer tout, nous avons encouragé ou, prochaine fois, surtout nous regardons là, nous avons un peu d'étudiants qui très assidus, qui très bien développés. Et m'a encouragé nous, sinon capable de checker un atlas ou bien un map, un cadre géographique, photographie tel sous tabou, ou capable d'aller dans, ou capable Google également, capable de joindre. Mais certainement, moyen qui plus simple, ou t'es capable de un map, ou t'es capable de gagner, il est très bon, et vidéo t'a prêté dans tête tout bien facile. Et maintenant, nous joignons dans le deuxième voyage, là, dans verset 35, m'a pris pour nous. Il dit, Paul et Barnabas demeurent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulaient. Après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Il commençait comme ça. Deuxième voyage a commencé avec un intérêt de Paul pour capable aller retourner, encourager les frères, capable les frères et sœurs qui ont déjà évangélisé. Et nous allons joindre maintenant Barnabas, verset 37. Il va dire nous, mais
Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Donc voilà pour première fois. Et ça qui toujours existé avec nous-mêmes. Donc voilà le mécontentement de Paul, ou bien Saul, ou bien de Paul, après que Jean-Marc te quitté. Jean-Marc te laissé dans le moment où tu plus besoin de Jean-Marc. Jean-Marc quitté dans Pamphylie. Jean-Marc embarqué à Perge et il retourné à Antioche. Nous, l'histoire continue. Paul continue le voyage avec Barnabas. Non pas lui, mais contentement. Mais ici, nous voyons exactement Paul. Lorsque vous allez retourner pour aller faire voyage, ça encore, Barnabas, comme un homme qui a un esprit ouvert et très large, et lui demande pour être capable de prendre ensemble avec lui, Jean-Marc encore. Paul dit cette fois-ci, c'est là qu'il a abandonné nous dans le moment où nous n'avons plus besoin. Digne pour faire route ça encore. Et que nous joignons Yodéa lever en discussion. Il dit verset 39 là, dit ce sentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et parti, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Maintenant, nous voyons une séparation entre Paul et Barnabas. Yodéa qui était premier pionnier dans le premier voyage là. Et dans le deuxième voyage là, qui est très bonne idée pour retourner et que vous voyez à cause de Jean-Marc, Paul dit Jean-Marc pas digne pour faire une telle route. Et Barnabas dit, give him a second chance. Bali une deuxième chance. Ballon deuxième chance pour le capable améliorer. Ballon deuxième chance pour le capable apprendre les leçons. Donc, capable des leaders qui comprend, qui bien converti tout, mais également qui gagne un point de vue différent. Bon, c'est les ok parfois pour des mouns qui gagne même objectif capable bagaille au même gens. Ça pas ouais, ça pas dit, ça montre nous un désaccord qu'on existait depuis longtemps. Mais ils ont tous les deux d'accord pour les désaccords. Et c'est ça qui compte. Il y a un désaccord qui est capable de craser ni ou même ni moulin. Les soulever un désaccord qui est développé par haïssance, désaccord pour destruction l'un de l'autre. Mais ce n'est pas ça, non, ouais. Et c'était un désaccord dans chaque. Engagez-nous dans la tâche là, bien que nous pas well dans le même œil. Ça existe. Et nous voyons, Paul, maintenant, pour ensemble avec lui, il y a un monde que l'église, qui n'est pas Antioche, mais qui fait partie de l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, te voyait directement à Antioche, parce qu'elle a une très bonne réputation pour être capable de résoudre
problème qui te soulevé dans le pays, nous bien dans la ville d'Antioche. Certainement, nous avons Alexandre encore qui répond à une question, ça va me garder moi. Il dit Alexandre, juif, il est énervé, il est soulevé. Oh, yeah. Il y a une question que nous avons posée avant, ce n'est pas dans le chapitre 15 ans, c'est plutôt 13 à 14 ans, où tu réponds côté juif qui ont été soulevé contre l'intérêt à l'icône, contre mesdames. C'est bien, c'est bien. Very good. Et maintenant, nous jouons dans le chapitre 15 ans. Paul prend Silas, il est dérapé, et tandis que Barnabas prend Jean-Marc ensemble avec lui. Il a embarqué à celui-ci, il a pu aller, il a dirigé vers l'île de Chypre. Et Paul pas prend même route là, Paul prend à terre. Paul dirige l'île, passer de Antioche pour aller dans Cilicie et dans la province, surtout dans la province côté de fait. Et sans doute, il passe à Tasse, et à pied encore, il rentre à dans le pays, nous sommes capables de dire Derb pour aller visiter Derb. Donc, il n'a pas fait même route à côté de passer pour aller à Salamine, pour aller dans Chypre, à Salamine, à Paphos, à Perge, à Antioche, à Icône et à Lys, Derb. Il n'a pas fait autre ça, mais plutôt il passe de l'Est pour diriger lui dans un grand territoire. Il y a une quantité de routes. Et dès lors, la civilisation romaine était très développée en matière de routes. Et il y a des moyens pour être capable de sortir de un lieu à un autre. Nous jouons, la route a été accessible avec un pile pèlerin de différentes fois et certainement pour première fois et la foi chrétienne doit traverser doit utiliser même route ça pour capable évangéliser. Donc pour jeudi à nous voulons rester là ensemble avec vous commencer deuxième voyage là mais non pas bien temps fini ni pas nous avons fait sûr que nous engager nous ensemble avec nous dans deuxième voyage là. Dans deuxième voyage là, il est très long. La parcouru avec des apôtres. Il commence dans avec des apôtres chapitre 15 dans verset 36 dans cinq derniers versets jusqu'au verset 40 pour aller jusqu'au chapitre 18 et jusqu'à verset 22. C'est très important parce qu'il couvre plus grand territoire que le premier voyage missionnaire. Nous voyons un long voyage côté Paul avec Silas pour voyager. Mais dans le chapitre 15, mais dans le chapitre 16, là, nous allons joindre une situation côté nous allons recevoir dans le mi-temps un troisième personnage. Nous songeons à déraper avec deux personnages, Paul et Silas. Pas confondre première qui est Paul et Barnabas et Jean-Marc. Deuxième voyage là, gagné Paul et Silas. Nous voyons, après discussion qu'il a eu avec Barnabas, Barnabas parti à Jean-Marc, nous n'attendons pas l'histoire encore. Mais l'histoire voyage missionnaire a continué avec Paul et Silas. Dans le chapitre 16, les voyons vont mettre nous dans le pays Lys. Excusez-moi, dans la ville Lys. Zone ça n'est pas pays. Parce que le pays est plus large. Dans la ville Lys. Dans la ville Lys, côté l'été déjà, après
les sorties de Tasse, l'allée de Debre, et à Debre, les traversées, les quitter Debre, l'allée à Lys, et là, dans le verset 1er, dans le chapitre 16, il se rendit ensuite à Debre et à Lys. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, juif fidèle et de père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères. Or, nous voyons joindre dans le pays Lys, nous continuons à dire le pays Lys, nous allons comprendre moi. Dans la ville de Lys, nous dit, même si on ne peut pas dire le pays Port-Saint-Lucie, on peut dire la ville Port-Saint-Lucie. Et la ville de Lys, nous joignons un jeune garçon sous le nom de Timothée, très important, parce que voilà prendre un pile de Timothée, voilà prendre Timothée, vient chef de l'église, voilà prendre écrit Paul à Timothée encore. Songez lié exactement que Paul t'a rencontré ensemble avec lui. Dans le deuxième voyage missionnaire, après qu'il ait visité l'église qui était à Debre, l'église qui était à Lys. Et là, il était un bon témoignage de ce jeune homme et aptitude lui. Foi, l'intérêt qu'il développait pour la cause de Christ, te rend les anciens ou bien moun fidèles dans l'église là, te bail un bon témoignage de lui. Et il est très important que moi-même ensemble avec vous, qui leader l'évangile, qui leader chrétien et qui fait partie de l'église de Jésus-Christ. Tout au long de l'histoire de l'Église, et jusqu'à maintenant, dans des églises qui sont bien structurées, les disciples de Jésus, ou bien ceux-là qui deviennent leaders en charge, ce n'est pas position qui est toujours intéressée. C'est plutôt le service qui est toujours intéressé. C'est le degré de foi et d'engagement yo toujours bail. Et en pile fois c'est pas yo chercher position et c'est moun yo qui toujours ouais intérêt yo et toujours mandé yo encourager yo pour yo capable engager yo plus davantage parce que service yo toujours demandé service yo toujours capable de très utile, aussi très apprécié. Dans le cas de Timothée, nous venons joindre une fois, il y a un bon témoignage ensemble avec nous. Et c'est très important que moi, ensemble avec nous, nous capable de des yeux ouverts dans l'église locale à trouver des serviteurs et servantes. Et qui toujours qui ont aptitude au Seigneur, ou bien ont intérêt qui réellement qui capable de développer la vie et la foi chrétienne, qui capable qui gagne un intérêt, si moun sa un encadrement, qui capable plus utile, et c'est toujours des voies. Les leaders qui avancent, tant que moi-même ou même, capable d'embrasser Mounsayo, ou capable d'engager. Et nous jouons dans le cas de Timothée, Paul te recevoir, Paul et Silas te recevoir, et après une telle réception,
de Timothée dans le temps, mais yo te senti tout nécessité pour capable mander Timothée pour engager Timothée dans l'autre niveau parce que Timothée t'es capable de dire en race mélangée. Il était juif, en même temps il était grec. Papa était grec, maman était juif. Or, les juifs, yo, te kwè petit garçon, yo, te doué si konsi. Mais grec, yo, tout, te kwè autrement. Et, moun yo, juif, yo, konnen, yon tel compréhension nan mitan yo, et Timothée nan mitan yo, yo konnen Timothée pas si konsi. Et puisque Timothée pas si konsi, et problème circoncision pour juif yo li important parce que pour juif yo malgré yo croire dans bon Dieu au contraire circoncision te yon avant la venue de Jésus-Christ c'est yon marque de croyance dans la foi en Dieu et sous ressource nous capable dit alliance abrahamique là nous capable dit pour yon juif, pour yon moun te kapap engager pour juif yo, fol te kapap si konsi. Puisque Paul réalise Timothée pas ko si konsi, li mande pour yon telle action faite simplement pas pour le salut, mais pour pas empêcher la cause du Christ. Et ça fait le très important, non pas trop rete la dan pour jodi a map encourage yo. Pour être capable de prendre le passage et familiariser avec l'événement. L'étape très bon et il va permettre nous capables d'avancer ensemble. Pour aujourd'hui, nous prenons poser un peu de questions et moi réaliser notre souci. En même temps, nous développons une aptitude qui est très aidant qui permet moi et qui aide moi aussi et pour faire me réaliser nous apprendre et nous comprendre et les faire comprendre tout non là lui permet moi tout capable pour ensemble avec vous deuxième voyage missionnaire là puisque on développé une attitude qui plus large qui plus ouvert de capable engager également apprendre ensemble avec moi pendant que trouver un cadre géographique concernant voyage missionnaire et au capable aider au capable mémoriser au même de sous lieu après un certain temps c'est comme si on dit on va aller Miami va faire voyage pour Miami de Port St. Lucie on passe matin 40 si on va te toucher un brièvement Stuart ou bien Palm City ou bien aller Obsahan, même pas entrer dans la ville Obsahan, sous tête Obsahan, même passer dans la ville Jupiter, de Jupiter, Pambish Garden, et Pambish Garden, et continuer. Vous connaissez où Dieu, c'est qu'on soit capable de tracer les. Surtout pour nous qui moniteurs, monitrices d'école dimanche, ou bien prédicateurs de l'évangile, là, pour plus aisance pour les parler de la ville et qui événement qui est arrivé là, la permettre tout capable. Développer et pour toute la communauté chrétienne en général, la permettre nous développer ensemble sacrifice moun fait pour capable prêcher l'évangile et nous-mêmes je dis comment il est important pour nous engager nous dans prédication de l'évangile, prédication de l'évangile à Jérusalem, dans ville côté nous fait partie, en Judée, dans d'autres villes aux environs de nous, en Samarie, d'autres villes à l'extérieur de notre district ou bien zone côté norité ou bien donc capable de 40 côté norité et continuer pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Moi crois un chrétien qui néglige évangélisation témoignage ou
à l'autre monde qui pas pour compte Jésus. Travail missionnaire, moi capable dire ou quoi dans mon Dieu, mais ou rater plus grande bénédiction, bénédiction pour comment mon Dieu à lève. Lors fait voyage missionnaire dans qu'importe temps, dans qu'importe époque, dans qu'importe pays, événement qui t'est arrivé dans temps bien longtemps yo, comment yo arrivé y a privé jodi a ou pas faire voyage missionnaire pour pas voir comment bon Dieu qu'on chasser mauvais esprit dans tête monde ou après même gens dans deuxième voyage missionnaire ça côté Paul chasser mauvais esprit dans tête monde jusqu'à maintenant jodi a dans voyage missionnaire qui me fait à travers les mondes, que ce soit au Brésil en 2006, que ce soit à Barbados en 2007, et dans les Bahamas et tant d'autres liés encore en Haïti en mettant de cette occasion, vous pouvez pas être avec des apôtres en l'air comme si en répétition, vous avez un monde qui possède des mauvais esprits qui ont mené venir devant pour prier pour eux. Et après la prière, comment bon Dieu servit avec vous pour capable de jouer bonne victoire, pour montrer vous comment parole bon Dieu, c'est parole qui dynamique, ou parle la dynamicité de l'évangile. C'est pas l'évangile statique, donc l'évangile qui simplement est passé et puis il n'y a pas d'effet, je dis. Puissance bon Dieu va servir avec vous. Vous voyez tout comment travail missionnaire pour agrandir propre foi pas. En plus fois non seulement ou aller ou bénir les autres mais aussi ou même en retour foi pour venir plus grandir, foi pour venir plus développer. Voyage missionnaire et pour aider tout à développer une appréciation pour dire bon Dieu merci chaque jour levé. Je dis à rien à plein de monde, qu'importe petit bagaille, empêcher au service bon Dieu. Qu'importe petit bagaille, bayo raison d'être pour mimirer. Et qu'importe petit bagaille, bayo raison d'être pour capable raison quittons ça. Mais lors engagé dans l'œuvre missionnaire, et ça fait plutôt pour joindre Paul senti son nécessité qui est imposée à lui-même. Non seulement bon Dieu relève mais aussi les loin degrés des besoins des âmes qui vivent sans Jésus. Là moi même ensemble avec pour engager dans l'œuvre missionnaire dans le travail pour évangéliser les perdus et pour encourager les sauvés pour voir loin nécessité tout est-ce qu'on prend pour capable dire moi pas capable prêter sans pas parler un l'autre. Le gars des moun qui malade qui pas gen moyen pour aller dans docteur mais qui a mouri sans Jésus peut-être c'est ou même qui va dernière personne qui va rencontrer qui pour dire Jésus sauve yo après au fin accepter Jésus-Christ pour faire transition de ce monde à l'autre et pour capable recevoir la vie qui pas jamais fini. Si moi même ensemble avec vous faire ça dans grand jour de l'éternité côté Jésus-Christ va dire bien ou va saisir pour équivalent monde que ou même ensemble avec moi gagner pour lui-même. D'ailleurs même moi-même ensemble avec vous capable prendre opportunité pour capable saisir opportunité que bon Dieu ban nous pour engager nous dans l'œuvre du Seigneur dans la mission de Jésus-Christ. Paul n'entend pas de voyager des milliers de miles à pied. Comme des de milliers même de miles à pied. Je dis à nos cafés des milliers de miles dans la voiture. Des milliers de kilomètres dans l'avion. En n'ont pas trop sensible pour confort personnel non en ouais nécessité l'autre qui a péri sans Jésus-Christ.
Et c'est nous, bon Dieu, relais, n'entend pas nous, même Jean n'entend apôtre Paul, il était relais. Et avant de terminer, moi je voulais dire bravo encore à ces Alexandre et Nicolas qui répondent, Juifio, t'es énervé, t'es soulevé, mais. Non, il te répond une question ça déjà. C'est bien. Non, je ne sais pas si tu te réponds dans le chapitre 15. Là. Non, tu as terminé là. Non, mais la plus grosse question que moi je suis avec ou besoin de répondre aujourd'hui. Si Paul avec Barnabas, Jean-Marc, malgré, il était retourné, mais il était fait effort pâle. Tout le monde va gagner le même degré d'endurance, même force, mais il était engagé jusqu'au point, même deuxième voyage là, il était décidé pour te accompagner, de bonne volonté. Mais nous allons joindre, si Paul et Silas, de faire tout ça yo, à pied, dans le bâtiment, peut-être tout, côté une rail, nous ne connaissons pas. Mais moi-même, ensemble avec vous, qui a plus d'aisance, je dis, et qui a temps pour nous, et qui voit tout comment bon Dieu fait gros bagage dans la vie, nous avons besoin de répondre comment nous capables, nous-mêmes tout, capables de marquer le monde pour nous. Le monde pour nous, je dis, dans le temps de vivre là, il est sur le bord du précipice. C'est comme si il y a la mer ouverte qui très fond. Et moun yo a avancé à la file indienne. Et moun sa yo a avancé pour tomber dans la mer et yo n'a pas nagé. Moi-même, ensemble avec vous, gagné un bateau de sauvetage qui est la parole de Dieu pour recapturer et gagner moun sa yo. On pense avec combien de monde qui a mouru à coronavirus aujourd'hui, qui n'a pas Jésus-Christ comme sauveur personnel. Combien de monde tout cyclone a détruit. Combien de monde tout, est-ce qu'on prend la faim a détruit. Combien de monde tout d'autres désastres naturels a détruit, qui n'a pas gagné Jésus. On pense à étudier le premier voyage missionnaire, deuxième voyage missionnaire. Nous avons une responsabilité pour dire nous-mêmes tout. Jésus-Christ relève nous et il engage nous pour capable aller faire disciples dans toute notre nation pour nous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Espérant que vous répondre à l'engagement chrétien dans l'église locale ou dans la communauté chrétienne. Espérant que vous fait prier ça pour service. À ton école au Seigneur. Un cœur attentif et un esprit obéissant pour dire yes au Seigneur et non à tout engagement mondial qu'a offert nous, à toute belle bagarre. On coupe fond nous ensemble. Seigneur, nous te merci. Est-ce que nous privilèges ça, nous capables de servir dans le contexte ça. Et merci Seigneur pour Père pour qui t'a étudié avec nos paroles. Et merci particulièrement pour nous Seigneur, c'est Claudie. Merci Seigneur pour frère Bob. Merci Seigneur pour Sœur Alexandra, pour frère Bessly. Merci Seigneur pour tant d'autres qui a coûté famille Paul Etienne et tant d'autres encore qui a coûté. D'une façon spéciale, bénis-nous et engagez-nous. Donc on a un peu de monde qui t'a aimé voyager ou pas capable. Mais hebdomadairement parlant, mensuellement parlant, ils ont contribué pour la cause missionnaire. Et nous disons merci particulièrement, Seigneur, pour la famille Sayo. Oh, Dieu, trois fois cinq, Seigneur, bail offrande missionnaire pour capable faire l'évangile la briller. Et la famille, Seigneur, et Félix, oh, famille Brianville,
famille Bisley. Seigneur Dieu riche en bonté. Et merci Seigneur, tant d'autres encore, ça c'est simplement un petit représentant, Seigneur, de tout notre Dieu que nous avons cité. Seigneur, béni, Seigneur, car vous dites les bon, les doux et les belles pour pied saillot qui annonce l'évangile. Oh, ils sont beaux, Seigneur, les pieds, Seigneur, de ceux qui annoncent l'évangile. Que nom soit loué et nous capables d'apprendre de Paul, nous capables d'apprendre de Silas, parce que souffrance pas de faire au paix. Nous capables d'apprendre de yo. Bénis-nous pour reste soirée ça. Permet que l'évangile nous capable rester dans cœur nous pour ne pas jamais pécher contre nous-mêmes. Dans nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions. À lui seul soit louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pendant on était conséquent à la parole de Dieu, pendant on était conséquent à grâce que bon Dieu fait, moi mandé où rete en bas grâce là et servi même grâce ça pour capable atteindre les perdus pour la cause de l'évangile. Que bon Dieu bénisse nous. C'était avec vous, serviteur vous, pasteur Pascal Permi de l'église évangélique du Nazaréen, église évangélique du Nazaréen de Indiantown et église évangélique du Nazaréen de Port-Saint-Lucie qui présenteront un ministère évangélique et qui aideront à grandir foi et grandir connaissance biblique. Que bon Dieu bénisse nous va voir mardi si Dieu veut pour une étude similaire. Grâce bon Dieu.